Il y a le Élise d'Ormesson qui fait paraître le Peter Longreach sur Hitler. Et là, il démystifie un peu le Hitler de l'époque. C'est-à-dire qu'on en a fait presque un génie tacticien au niveau de la guerre, comment il est arrivé. Enfin, voilà. Et là, vous avez une biographie assez incroyable qui vous démystifie, on peut dire, le personnage, où on voit qu'il a eu beaucoup, beaucoup de chance et qu'il est surtout le fruit de... Bon, il va vous l'expliquer. Ça se lit vraiment très, très bien. Et je trouve que Élise d'Ormesson fait un boulot monstre, mais vraiment magnifique à ce niveau de cette période. Ils avaient fait, un livre absolument fabuleux sur l'orchestre de Berlin et sur aussi, je pense, mais je peux peut-être me tromper, sur les femmes pilotes soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale qui étaient un pur chef-d'œuvre. Allez-y, ça, si vous aimez l'histoire, c'est un... Voilà, vous... C'est, voilà.